Salut! Aujourd'hui, on va faire la FAQ. Vous avez été très nombreux sur Instagram à me poser des questions et on va commencer tout de suite. Pour commencer, on a une question de Olydro17. Vas-tu faire des commissions de fursuit? Alors oui, j'en ferai, mais pas pour l'instant parce que j'ai encore besoin de me perfectionner. Mais sinon, je viens de commencer à faire des badges commissions. Donc s'il y en a qui sont intéressés sur Instagram, dites-le moi en privé. Ensuite, nous avons trois questions de Flymas Drawing. Le meilleur souvenir pour moi en tant que fursuiter. Alors pour moi, les meilleurs souvenirs, c'est en convention. Parce que je peux partager ma passion avec tous les autres furies, parce que j'en ai rencontré. Et tous les autres gens qui aiment un petit peu la même chose que moi, le cosplay, les mangas et tout ça. Donc je dirais c'est dans les conventions, donc Japan Expo et Paris Manga, car j'en ai fait deux cette année du coup, en fursuit. Ensuite, encore une question de Flymas Drawing, il y en a trois. D'où est venue l'inspiration pour Baki? Alors je me suis inspirée de Baki en regardant des vidéos sur YouTube et ses photos sur Instagram de Corgi Fox. Alors abonnez-vous à son compte sur Instagram, elle est superbe. Elle aussi elle a un fursuit reine et il s'appelle Atari. Et je le trouve super mignon. Et puis aussi, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rennes, il y a surtout des loups, des renards, des chiens, enfin c'est que ça. Du coup les rennes, bon il y en a quand même beaucoup des rennes, mais je trouve qu'il n'y en a pas non plus énormément. Et encore la dernière de Flymas Drawing, depuis quand dessines-tu? Alors je dessine depuis que je sais tenir un crayon, donc depuis toute petite. J'ai jamais arrêté, j'ai toujours aimé ça. Ensuite nous avons deux questions de Yumi and Miu. Alors, des projets pour la chaîne? Alors oui j'en ai, donc déjà la FAQ, là un projet. Et aussi les vlogs que je vais faire, donc Paris Manga, si jamais j'y vais bien sûr, et Japan Expo. Si j'y vais aussi, mais bon, c'est dans un an, donc j'ai le temps. Et aussi, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai un projet de vidéo, mais j'en parle pas tout de suite. Enfin, ça va arriver bientôt, j'espère. Ensuite, la deuxième question de Yumi et Miu. Est-ce que je vais à des conventions? Donc oui, comme je l'ai dit, peut-être Paris Manga, sûrement, peut-être, enfin je sais pas. Et Japan Expo, peut-être aussi, mais c'est dans un an, donc j'ai encore le temps. Ensuite, Xolafur, qui m'a posé trois questions. Pourquoi Fursuit Home? Le pseudo Fursuit Home sur YouTube et Instagram. Alors j'ai choisi le pseudo Fursuit Home pour faire rappeler Fursuit. Et Home Sweet Home. Ça fait un jeu de mots entre Fursuit et Home Sweet Home. Et pourquoi Home? Parce que je fais mes créations chez moi, donc dans ma maison. Et en français, ça rend fourrure douce maison. Et je trouve ça super mignon, même en français, je trouve ça super mignon. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Fursuit Home. Tu aimerais faire des compétitions de danse? Oui, j'adorerais, mais le problème, c'est que je ne sais pas danser. Tu aimerais aller à l'Entrecon? Oui, j'aimerais vraiment, ce serait grave mon rêve. Mais peut-être plus tard, je ne sais pas. Ensuite, nous avons trois questions de Studio Wolf. 3. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Lily, L-I-L-Y, hein, c'est pas de diminutif ou quoi, parce que à chaque fois les gens ils me posent la question. Vas-tu faire des animations? J'aimerais en faire, mais j'ai vraiment besoin de me perfectionner là-dedans, puis en plus ça prend beaucoup de temps, puis moi d'habitude je suis pas du tout patiente. Tu pensais arriver aussi loin sur YouTube? Eh bien non, je ne pensais pas. Et en plus c'est la première fois que j'ai atteint plus de 100 abonnés. Puis là la chaîne elle s'est créée il y a moins d'un an, bientôt un an. Et pour moi c'est énorme, j'adore. Et en tout cas, merci à vous tous de vous abonner, sur Instagram aussi. C'est super sympa de votre part, et franchement, ça me va droit au cœur. Et la dernière question qui est de Fursuit FR. Quelle sera ta prochaine fursuit? Ma prochaine fursuit, c'est Ashley, qui est une fursuit dragon, que j'ai pas du tout commencé encore, mais j'ai pas trop le temps en ce moment. Et voilà, Ashley sera ma prochaine fursuit. Voilà, c'est la fin de la FAQ. Il y a eu pas mal de questions. J'ai pas répondu à tout parce que ça aurait fait trop de temps, je pense. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Ciao !